Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, CAI CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas, t'es save. CAD, Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire, au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi, 8h-12h. Le mail caribéenne.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imiter mais jamais égaler. Barbs Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander. C'est au 15 rue Pierre Lyodet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, parts-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention Coro. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité, et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit ou pas, t'es dit où ça? Où ça savent? Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe, partenaire officiel de 100% sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Ce soir, une émission toute en images. Merci à nos partenaires de nous faire confiance pour cette nouvelle année 2024. Un coucou à Robert, à Léo, à Martin, Polo, Marie-Lou, Jean-Claude et bien d'autres que j'en passe. Au programme, on ira au Robert, à la Cité Lacroix. Puis, on restera à Robert pour l'Assemblée Générale d'Active Grill 972. Puis, direction le Prêcheur pour le Raid de la Mythique. Direction de Saint-Pierre avec les U10 U15. Puis, le Grand Prix de la Ville de Sainte-Luce. On écoutera le bilan d'Alfred de Fontis. Puis, direction le Tennis Club de Saint-Joseph pour le championnat 2e division d'âme. Enfin, on prendra la direction du Marais pour le savoir rouler à vélo. Et on terminera avec les salutations de Yann Nadeau. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, on débute avec le coup de cœur de l'émission, l'inauguration de la Cité Lacroix du nouveau siège social de l'UFR, Unité Fraternelle des Régions.
Martinique, c'est dans la commune du Robert que l'UFR, l'unité fraternelle des régions, a inauguré son nouveau siège social le mardi 6 février 2024 de 10h à 15h à la Cité Lacroix. Implanté depuis 45 ans, cet établissement est devenu pour les Martiniquais un lieu incontournable de la santé, de la prévoyance et de l'accompagnement sanitaire et social. Avec 6 agences en Martinique, tout cela en présence du maire de la ville, Farel François Augrin, de la présidente du conseil d'administration, Madame Eliane Junios, du directeur général Daniel Annonay, de la sénatrice Catherine Cocon, de la sous-préfète de Trinité, Charles Duquesnay, de l'ancien président de l'UFR Altius, Jean Gabriel, de Félix Mérine et de la délégation de France Clésiamut. Tout cela sous la houlette de Karine Chauvet, directrice de la communication, et bien d'autres j'en passe. Retour tout en image de cette inauguration à la Cité Lacroix du nouveau siège social de l'unité fraternelle des régions, l'UFR. Reportage Daniel Diaz, KMT Télévision, DD News Martinique. Martinique, c'est dans la commune du Robert que la présidente Sabrina Ferdinand de l'association Active Girl a présenté l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire devant 163 membres de l'association. Puis écoutons les réactions du président du comité régional cycliste de Martinique, Alfred de Fontis. Alors, j'ai eu plaisir de répondre à cette invitation, l'Assemblée Générale d'Active Girl. Ça a été pour moi un grand plaisir d'arriver et de trouver le nombre d'adhérents, femmes et des enfants, puisque Active Girl, en quelque part, est en train d'amplifier le dynamisme dans cette opération. Et là, ils ont des rendez-vous où ils apprennent des enfants et des adultes, femmes, à pratiquer la discipline. Ils sont dans cette action de répondre présent aux formations de notre fédération. Surtout, sur les derniers mois, nous avons mis en place beaucoup de formations. Et puis, l'action que cette association mène pour permettre à tout un chacun licencié dans cette structure de choisir plusieurs divertissement, soit d'aller faire des sorties à la plage, des sorties au cinéma, ils font montrent aux gens cette pratique du vélo,
Ça leur permet de mieux fédérer, et c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont un nombre de licenciés important. Le plaisir que j'ai aussi, c'est de savoir que bientôt, ils vont pouvoir engager dans des compétitions pour les féminines, les jeunes qui vont faire des courses, après des randonnées. Donc, j'ai répondu présent parce que c'est une activité du cyclisme qui me plaît énormément. Et puis, en dernier lieu, avant de terminer cette assemblée générale, l'action qui a été menée, une jeune fille qui a pris une licence chez eux et qui a perdu sa maman. Tous les licenciés ont cotisé pour acheter à cette fille un vélo, un beau vélo, ce soir-là qu'ils ont offert à cette fille. Et j'ai trouvé ça super. Un bon élan de solidarité. J'ai énormément apprécié, je félicite l'action que mène ce club baptiste. Tout ça pour inviter des Martiniquais qui veulent apprendre à faire cette pratique se sentir bien, sans pour cela aller faire des efforts, faire des compétitions, de prendre une licence active, parce que ça rentre vraiment dans les objectifs de pratiquer le vélo, pour faire du vélo, pour faire du sport, mais pour aussi s'occuper de sa santé. Oui, beaucoup d'émotions pour la jeune Shaina, qui vient de perdre sa maman, a reçu un beau cadeau de Noël des 163 mamans du club. Écoutons sa réaction. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'avoir reçu ce vélo de la part de ces 160 mamans? Ça me fait énormément plaisir. Ça montre que la team Active Girls, c'est une grande famille en fait. On m'a dit dès le début, et en fait j'en ai les preuves, j'ai les marques d'affection de toutes ces âmes. Finalement, m'ont fait un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau qu'elles m'ont fait, et je suis très contente de ça. Après l'émotion de la famille, le deuil de la famille, ça fait plaisir de recevoir ce beau cadeau de Noël. Extrêmement. Parce qu'en plus, ma maman voulait s'inscrire dans l'association et n'a pas pu malheureusement avec la maladie. Mais puis écoutons les réactions de la présidente du club, Sabrina Ferdinand. Au reportage, Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News, Martinique. Le général extraordinaire a eu lieu le fin décembre. Ça a été pour nous un moment de rassembler le maximum de nos membres, puisque nous étions plus d'une centaine présents à l'Assemblée générale. 163 au total. Alors en fait, notre association compte 183 licenciés et effectivement nous avions près de 150 personnes présentes à l'Assemblée générale. Donc ça a été une Assemblée générale très constructive puisque nous avons d'une part fait un bilan sur l'année passée, mais surtout planté les bases de notre prochaine saison. Et nous en avons profité pour rendre hommage également à une de nos membres qui nous a quittés suite à un cancer, donc Catherine Noël, qui nous a quittés en fin d'année. Et on en a profité aussi pour offrir un vélo à sa fille, Shaina, qui va nous rejoindre l'année prochaine. C'est vrai, Shaina fera partie de cette grande famille, 163 mamans. On lui a donné un cadeau, un beau cadeau de Noël pour engendrer le pain dans votre association After Girl. Elle était déjà avec nous il y a 2 ans et en raison de ses études, elle n'a pas pu venir avec nous. Mais là, par rapport aussi aux constances de fin d'année, ça lui a donné une impulsion pour pouvoir revenir avec nous. Et puis, on cherche aussi un peu à rajeunir nos effectifs. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous d'avoir Shaina avec nous, en tout cas. Comment se porte votre association sur le plan financier? Alors, sur le plan financier, elle se porte bien, on va dire, puisque de toute façon, on fait avec les moyens que nous avons, du fait du nombre d'adhérents
Donc, ça nous les cotisations nous permettent en tout cas de pouvoir tenir notre saison. Et nous organisons des événements ponctuels sur lesquels nous sollicitons des partenaires pour nous aider à les financer. Et nous avons nos partenaires habituels, donc Mazarin Peinture, IMP, Vélo Passion, qui nous aident en permanence. Il y a aussi Acolyte Homme et Washing Car, donc qui nous aident sur la saison pour les besoins quotidiens. Oui, nous gardons le cap puisque nous avons encore des investissements à faire au cours de la prochaine saison, en particulier l'aménagement de conteneurs qui nous a été offert l'année dernière par la CMACGM. Donc là, on aura un gros investissement à faire sur l'aménagement de ce conteneur qui servira surtout à stocker tout le matériel que nous avons acquis depuis plusieurs années pour l'école de vélo réservée aux adultes. Avant dernière question, comment se porte cette école de vélo? Elle est victime de son succès puisque cette année encore, nous avons pas plus de 35. Alors, en fait, on a arrêté les inscriptions en fin de premier trimestre, puisque l'école, le trimestre commence pour nous en septembre, par rapport au fait que nous avions déjà 35 personnes qui ont rejoint l'école de vélo. Et vu que notre nombre d'encadrants n'augmente pas en parallèle, donc nous avons dû arrêter les inscriptions de l'école de vélo pour bien prendre en main donc, celles qui sont rentrées en septembre et pouvoir envisager une rentrée à partir de janvier avec un nouveau groupe, puisque celles de l'école de vélo de septembre 2023 sont autonomes maintenant et peuvent basculer sur les groupes du mercredi après-midi. Avant dernière question, comment faire pour vous contacter? Alors, le numéro de portable du club, c'est le 06 96 38 85 62. On peut reprendre son numéro de téléphone. Alors, 06 96 38 85 62. Nous avons également une page Facebook, donc Team Active Girls. Vous pouvez laisser un message sur Messenger. Et nous sommes également sur Instagram et TikTok. Donc, nous avons tous les moyens de communication modernes pour pouvoir nous contacter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Déjà de rester dans la même dynamique, hein, parce que c'est vrai que c'est un gros chantier. L'association a beaucoup de membres et on essaye de proposer le maximum d'activités. Nous sommes tous des bénévoles, surtout à l'encadrement. On souhaite en tout cas avoir la santé pour rester dans la même dynamique et proposer des choses encore plus innovantes à nos membres et à ceux qui nous rejoindront à partir de janvier 2024. 100% Sport, KMT Télévision vous remercie. Merci. Martinique, après le Gros Morne, la détox, la Martiniquaise aux Anses d'Arlet, c'est dans la commune du Prêcheur que s'est déroulé le Raid de la Mythique organisé par le club Tchibéred. C'est l'incontournable Jordan Miozé qui monte sur la plus haute marche du podium en 4 heures 27 minutes et 11 secondes, suivi de Vincent Barbe en 4 heures 41 minutes et 28 secondes. Troisième, Antoine Gohan en 4 heures 45 minutes et 14 secondes. À noter que le meilleur vétéran de la course était Isnao Hilderad en 5 heures 27 minutes et 50 secondes du club STT Sainte-Marie. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique et au Samaritain. Nous avons une arrivée d'un vétéran qui n'est pas un vétéran. Il s'agit de l'islam, de la sainte l'islam. Jordan, après la détox du Gros Morne, ici vous entrez pour ouvrir cette saison 2024. Comment ça s'est passé, cette Martiniquaise pour vous? La Martiniquaise il y a deux semaines, et puis là, la mythique deux semaines après, une belle mythique. C'est toujours beau de toute façon au niveau paysage, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'ambiance.
une magnifique organisation et puis il y a du monde voilà, pour participer à ce beau événement incontournable des Antilles. Hein. Alors Jordan, ce qu'on peut vous souhaiter, bravo papa et maman, puisque le petit Jordan est arrivé. Merci, la petite ouais. Jordan est arrivée, autant pour moi, parce que je ne savais pas, je l'ai vu que ce matin. Jordan va pouvoir se reposer pour donner le réconfort à la petite Jordan. Oui, ça n'est une question d'équilibre, tout ça. J'ai aucune justification à donner à qui que ce soit, mais c'est une question d'équilibre entre ma femme, la petite et moi. Et pour l'instant, on arrive à le trouver. Ça reste la avec vie de famille. Sport. Ouais, exactement. Alors Jordan, c'est vrai, aujourd'hui, comment ça a été le parcours pour vous? Alors rude, hein, plus dur que les autres années, je trouve, au niveau conditions, avec la brume de sable et au niveau technicité, la descente de la montagne Pelée. Comme ça, pas mal raviné, il y a beaucoup de trous, c'est très très technique. Après, moi, j'aime ça. J'adore ça. C'était un plaisir énorme. J'ai tout donné pour encore battre mon chrono. Et ça a été le cas de 6 minutes. Donc, très satisfait de ça. C'est ce qui vous attend pour la Diagonale des Fous à La Réunion. En 2025. En 2025. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? La santé pour ma femme et la petite. 100% sport, ouais, merci. Yes. Alors, Gérard Moustin, comment ça s'est passé, cette mise en place pour cette course La Mystique ici au Prêcheur aujourd'hui? Ben, très bien, parce que c'est une course comme il y a 14 ans que nous accueillons La Mystique et qui est une course qui compte pour le championnat national. Donc très bien, parce que c'est une belle synergie entre les organisateurs, donc le club Thierry Red et nous-mêmes, et sans se compter le nombre de bénévoles, une quinzaine de bénévoles, les jeunes du Prêcheur, qui sont dans l'organisation. Donc c'est génial, c'est un moment excellent. Et avec près de 900 coureurs, donc c'est admirable. En même temps, vous mettez en place un marché artisanal où les gens peuvent découvrir les roses du désert, mais bien d'autres encore. Absolument, parce que c'est une manière pour nous aussi d'inviter dans les prochaines éditions des gens qui sont sans doute des sportifs, mais aussi des gens qui veulent venir visiter le Prêcheur ou pour venir simplement assister aux courses. Donc ça leur permettra de se faire du bien, de se faire masser les pieds, de prendre du bon jus local, de trouver des plantes, des fleurs, etc., des robes, des vêtements, de l'artisanat, et aussi de la cuisine, parce que nous avons deux centres de cuisine en plus. Donc c'est ça, ça veut dire aux gens, venez, c'est tout fait, c'est le sport, eh bien, on va pas faire le trail, on va pas faire l'un des mythiques, mais on va simplement venir pour flâner et puis partir avec quelque chose de bon. Ne pas venir au Prêcheur, ce sera le mot de la fin, c'est vivre dans la... C'est malheureusement faire autre chose qui n'est surtout pas peut-être super pour celui qui le fait. Gérard Moustin, 100% sport, KMT Télévision, vous remercie. Merci. Le cabinet Jacques, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France, ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Jacques, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises est prévisionnel. Le cabinet Jacques, c'est toute une équipe autour de Philippe Jacques à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Houssa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Jacques, partenaire de 100% sport. Martinique, la ville de Saint-Joseph et le tennis club vous invitent à la 33e édition de son tournoi au Pagnol Dijonais en lutte du 16 février au 9 mars 2024. Avec tous ses partenaires, le parrain de cette manifestation cette année, Jean-Baptiste Adolphe Joseph Dijojo. Inscription et renseignements 05 96 57 92 21, le portable WhatsApp 06 96 71 92 21. La 33e édition du tournoi au Pagnol dit jeune et adulte, c'est du 16 février au 9 mars 2024. Le tennis club de Saint-Joseph, c'est un club, un esprit club, avec 100% sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Bien joué, la passe! Bien joué, monsieur! Bien joué! Allez, Christopher. Martinique, c'est au stade municipal de Saint-Pierre que 100% sport a participé à l'entraînement des jeunes U10, U11, U13, avec leurs éducateurs. Mais pendant les deux rotations de l'hélicoptère de la gendarmerie, l'entraînement s'est arrêté pendant quelques minutes. Le plaisir pour les enfants de faire une pause avant de reprendre leur entraînement avec les éducateurs. Écoutons tout d'abord la présentation des jeunes, puis écoutons les réactions des éducateurs. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Bonjour, je m'appelle Saïd Saba et je suis à l'asso de Saint-Pierre et je joue au golf. Bonjour, je m'appelle Ruben Jean, je suis à l'asso de Saint-Pierre et je joue au milieu central. Bonjour, je m'appelle Christopher Romain, je joue à l'asso de Saint-Pierre et je suis milieu gauche.
Bonjour, je m'appelle Mayan Boujalato, je joue à l'Assaut de Saint-Pierre et je joue en pointe. Bonjour, je m'appelle Maxime Campagne, je joue à l'Assaut et je suis défenseur central. Bonjour, je m'appelle Lucas Bourreau de Saint, je joue à l'Assaut de Saint-Pierre et je joue milieu. Bonjour, je m'appelle Génial. Je m'appelle Mathia Fidèle Moutari, je joue à l'Assaut, attaquant toi. Bonjour, je m'appelle Taïf. Je m'appelle Taïri Suivant, poste attaquant. Je m'appelle Solène Touraïa, je joue à l'Assaut de Saint-Pierre, mon poste est attaquant. Je m'appelle Eden Francis Génieux. Je m'appelle Eden Francis, j'ai 9 ans, je suis à l'Assaut et mon poste est défenseur. Je m'appelle Novan Picodé, je joue à l'Assaut, le club de l'Assaut, et mon poste est milieu. Je m'appelle Axel Anglot, on est l'équipe Assaut Saint-Pierre et j'ai 10 ans. Franck Boujaïlato, assistant de Jacques Berdix, qui est l'entraîneur de la section U11 à l'Assaut. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour ces jeunes U11? Aujourd'hui, nous faisons un petit entraînement. Ils ont l'habitude de faire ces exercices-là. Un exercice à base de maîtrise du ballon, conduite de balle, qui consiste aussi à passer à travers les plots pour voir la maîtrise que l'enfant peut avoir avec le ballon. Et nous avons d'autres ateliers qui vont toujours dans le même sens. Ça représente quoi pour ces jeunes? C'est un jeu avant tout? Le football reste un jeu, c'est ludique. Après, on aspire quand même à une phase de progression. Bon, ils n'ont que 10 ans. Donc, pour le moment, c'est encore ludique. Bon, le football reste ludique, mais ils sont toujours en phase de progression. Donc, nous sommes satisfaits de leur progression depuis le début de l'année. Est-ce qu'on les apprend le respect de l'arbitre? Tout à fait. Même le respect des éducateurs, des encadrants et même des adversaires, c'est encore plus important. Donc, à travers les différents tournois auxquels on participe, on apprend surtout quand même à respecter aussi quand même les décisions d'arbitre, même si des fois elles sont en sens contraire. Donc, nous allons dans ce sens-là, même au niveau dès l'entraînement, dans le respect des règles, dans le respect de chacun. Autrement dit, joue au ballon et touche pas à l'arbitre, c'est la règle de base. La règle d'or, joue au ballon, amuse-toi, et respecte l'arbitre, respecte les éducateurs, respecte les autres joueurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? La santé. Alors, Jacques Berdix, entraîneur des U10-U11 de la Soupe Saint-Pierre. Alors, Jacques, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes cet après-midi? Cet après-midi, j'ai le premier atelier, c'est un atelier de passe-essuie. En fait, il y a des cônes et je demande aux joueurs de se mettre derrière le cône, faire le déplacement pour recevoir le ballon et faire la passe pour l'autre copain. Quels sont leurs progrès depuis qu'ils ont commencé? Comme je fais que des répétitions, depuis le début, je fais que des répétitions. Je vois la progression en match. En fait, comme j'ai deux équipes, il y a quand même une différence de niveau. Je fais la deuxième équipe jouer avec les deuxièmes équipes des autres équipes. Je vois quand même la progression. De temps en temps, je les fais monter en une pour voir est-ce qu'ils arrivent à rivaliser. Et comme cela, je vois la progression. Ce groupe U10-U11, c'est eux qui partiront dans le sud de la France? Oui, tout à fait. C'est ce petit groupe-là que j'ai depuis le début de saison et qui part à Sainte-Copée d'un tournoi Marius à 16 ans sur Sainte-Copée. Comment ça s'organise d'ici là? On est en train d'avancer. On a des partenaires qui nous aident déjà. Pour le moment, je ne vais pas nommer leur nom, mais ça avance. On fait des actions et KMT aussi, on les remercie. Parce qu'ils ont fait un super reportage sur nous samedi par rapport à notre quête dans les Hauts-de-Saint-Pierre. Ils ont fait un don aussi. Et ils ont fait un don, je dis pas le prix, mais c'est un beau prix. Un don de 50 euros, je crois. Ok. Alors, en matière de dons, où en êtes-vous? Comment ça s'est passé le week-end dernier? Vous avez récolté combien de dons? On a fait une belle recette. On dépasse les 600 euros? Oui, quand même. On dépasse les 800 euros. Et ça continue jusqu'au départ. Alors, on va faire ce week-end, on refait pratiquement la même opération, mais cette fois-ci, on sera fixe. Et on prévoit de faire une autre prestation, mais là, on va vendre des gâteaux, des tartes, un peu de tout, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 avec ces jeunes? Déjà la santé, et puis la réussite dans le projet en place, et puis que les jeunes progressent. Alors bonsoir, je suis Monsieur Léonard Caquin, je suis entraîneur des U13 de l'Assaut.
Alors, quel atelier avez-vous mis en place pour ces jeunes cet après-midi? Alors, aujourd'hui, nous avons fait de la maîtrise du ballon, couverture et progression et conduite de balle. Comment ça progresse ici avec ces jeunes? Passe courte, passe longue. Bon, ça va, moyennement, vous savez, de toute façon, la progression est, on va dire, moyenne au niveau de l'île, hein, c'est à peu près partout le même niveau. Ça se joue à très peu de choses. L'assaut de Saint-Pierre se porte bien? Pour le moment, nous sommes en train de remonter l'école de foot, là. C'est bien parti, donc en espérant que d'ici quelques années, nous pourrons sortir des bons athlètes du lot. Alors, quels sont les critères pour faire partie de l'équipe, de votre équipe U15? De toute façon, les jeunes, il n'y a pas de critères pour les jeunes. Hein, c'est aimer le football, jouer, d'accord, s'amuser avant tout. Et puis, après, si certains peuvent avoir déjà des prédispositions, c'est superbe, mais sinon, on est là pour progresser ensemble, pour jouer en équipe. Il y a une détection qui se fait Alors, les détections, c'est la Ligue qui s'en occupe. Hein. Donc, d'accord, souvent, ils convoquent les jeunes, nous demandent d'envoyer les 3 ou 4 meilleurs, et puis de là, ils font leur tri. Il y a un projet aussi pour ces jeunes qui partiront aussi dans le Sud. C'est un bon projet aussi, voilà, ça. Il y a un très, très bon projet. Il y a encore d'autres projets sur d'autres sections. Donc là, les petits, les 11, préparent un voyage sur la métropole. Ils ont un atelier dans le Sud, je crois que c'est le week-end prochain. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Une bonne continuité, en espérant que nous n'ayons plus de Covid, hein, et que les jeunes reviennent à la pratique du sport. C'est vrai, toi, tu quittes la Saute Saint-Pierre pour rejoindre la France, pourquoi? C'est pas moi qui décide, c'est mes parents. C'est pour poursuivre tes études? Oui. Aujourd'hui, c'est ton avant-dernier entraînement, on va dire pratiquement le dernier. Tu joueras avec l'AS Mondezès, ton dernier match. Dans quel état d'esprit tu te trouves? C'est difficile de quitter le pays, mais c'est pas grave. En fin de compte, c'est pour les études. Tu as choisi quoi comme études? Quoi? Regarde-moi. Je suis toujours au collège. Au collège? Oui. Qu'est-ce que tu penses faire quand tu seras plus grand? Tu n'as pas encore choisi. Non, je vais vous choisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Une bonne année. Une bonne année. Ça te fait chaud au cœur. On a dit que tu n'as pas envie de quitter la Martinique, tu n'as pas envie de quitter plus exactement la Soute Saint-Pierre, tes collègues, pour poursuivre tes études. C'est un moment difficile, c'est un passage difficile. Oui, beaucoup même. Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues que tu quittes là? Ils vont t'écouter, ils vont t'entendre. Que j'ai bien aimé faire tous mes premiers pas à Saint-Pierre, à la Soute Saint-Pierre. 100% sport, je te souhaite beaucoup de réussite. Alors, comment ça se passe pour vous en tant que parents, l'entraînement des enfants? Bon, ça se passe bien. Bon, les enfants s'amusent, c'est une bonne chose. Donc, j'aime bien les voir s'entraîner. Donc, mais parfois, il faut savoir comment. N'écoute pas parfois exactement par rapport à ça. Les U10 U11 qui montent un petit peu crescendo. Oui, ça va. Là, depuis après l'année dernière, j'ai vu qu'ils ont sont montés un peu. Comment dire ça encore, c'est, En hauteur. En hauteur, voilà. Ils ont pris de la hauteur. De la hauteur, voilà. Et puis ils partiront dans le sud de la France. Hein, ils vont prendre encore d'autres hauteurs, avoir d'autres jeunes de leur âge travailler le ballon aussi. Tout à fait. Et là, ce sera autre chose. Et là, ils verront comment ces jeunes de U10 U11 travaillent radicalement en tant que coach. Et ils reviendront avec de l'expérience. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Eh bien, la santé, et puis. Et de vivre bien. Le départ sera donné par l'élu de la ville de 7+. Attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà, le départ est donné. Martinique, la ville de Sainte-Plus et le VCL, Vélo Club Lucéen 228, ont organisé le Grand Prix de la ville avec un départ sur la RN5 entre les deux stations totales, avec au départ 87 coureurs pour une distance de 112 900 km et un circuit à couvrir pendant 7 fois.
pour une arrivée sur les hauteurs du quartier L'Épinay face à l'école. Après la redoutable montée de l'allée Mango, c'est Alexandre Join de la JC231 qui remporte ce Grand Prix de la ville de Sainte-Pluche devant Marc Flavien du Madina Bikers. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport KMT Télévision, DD News Martinique. Alors, on est avec Josué Debourina. Alors, c'est vrai, on vous a vu dans le plat, vous avez rattrapé un petit peu le peloton. Et après, la côte de Bamango, encore l'allée Mango, c'était vraiment le bon moment pour attaquer. Ouais, c'était un peu dur, je suis parti au pied. J'ai essayé de gérer mon souffle. Et vraiment, c'était une course très très dure, beaucoup de kilomètres. Donc, j'ai fait de mon mieux. Et vraiment, aussi mon président, mon entraîneur Emile Demazi et le staff. Vous qui arrivez parmi les cinq premiers ici, c'était de bon augure de voir qu'il a fallu fournir des efforts. On a rencontré tout à l'heure votre tante ou votre mère, je crois. Eh ben, elle disait que le dossard numéro 70 était dans le bon peloton. Vous estimez, vous étiez dans le bon wagon? Oui, j'étais dans le bon wagon, j'étais devant. Et ça roulait beaucoup et je suis dans ma place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Beaucoup de victoires et de progrès plus. Avec le club Vauclinois se porte bien? Oui, très bien. On a aussi le vieux baroudeur, c'est M. Demazi. C'est lui qui vous épaule aussi, qui vous donne le courage d'avancer. Oui, il m'entraîne beaucoup et je le remercie. 100% Sport vous remercie. L'après-midi, ça va? Votre équipe est à l'aise. On a vu, le doyen, Émile Demazi, qui est en bonne position. Voilà. Toujours en train de secouer les jeunes. Chapeau bas pour Émile Demazi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? La paix. Et la santé aussi, parce que vous en avez besoin de la santé. Parce que j'ai été quand même secoué en fin d'année, en début d'année. Je souhaiterais vraiment reprendre une vie paisible. 100% Sport vous souhaite beaucoup de courage. Et... merci. Du courage, il m'en faudra pour supporter mon fils, pour être avec lui jusqu'au bout. Jean-Baptiste, premier dans la catégorie junior. Du Crédit Mutuel Garage premier, c'était une bonne course cet après-midi pour vous? Ouais, c'est une bonne course, mais elle était très difficile. C'est parti fort dès le premier tour, avec une échappée de beaucoup de coureurs devant. Troisième tour, j'arrive à sortir avec mon coéquipier Yohan Pierre, lui, on arrive à rentrer sur le groupe. On a fait un bon travail derrière pour rouler et pour revenir sur le groupe de tête au pied de la montée. Et ensuite, voilà, dans la montée, j'ai tout donné. Je me suis mis à 100%. Je remercie toute mon équipe, mon entraîneur, Team Crédit Mutuel Garage Premier, pour tout le travail fourni en amont. On peut dire le Team Crédit Mutuel Garage Premier très fort à l'allée Mango. Oui. Vous avez secoué un peu les cocotiers à ce niveau-là? On a essayé. J'ai essayé de tout mettre, tout ce que j'avais. Aujourd'hui, ça a payé et j'espère que ça va continuer ainsi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Pour 2024, ben déjà remporter le Tour Junior. Et puis réussir à faire une bonne saison et me placer au scotch. Voilà. Marc Favien, deuxième ici à Sainte-Luce, dans les hauteurs de Sainte-Luce. On sait que vous n'êtes pas un grand-père, Marc Favien. Vous êtes plutôt, vous platonnez. Vous êtes un rouleur, on va dire. Mais vous arrivez à tenir tête au ce qu'on appelle en bas Mangoa. C'est de beaux souvenirs de monter sous ces arbres. Oui. Je suis pas un très bon grimpeur, mais j'arrive à me débrouiller dans les montées. On va dire que je sais me gérer, je sais gérer mon effort, donc j'arrive à suivre quand même relativement bien. Après voilà, on fait face à des hommes qui jouent dans une autre cour, donc faut essayer de les suivre, de leur griller la politesse, comme on peut dire. J'ai essayé de le faire. Malheureusement voilà, j'avais pas assez d'avance au pied de la bosse pour pouvoir jouer la gagne, mais j'ai montré que le Madina Biker était présent. On a montré tout au long de la course le maillot. L'équipe a fait un super boulot, je les en remercie. Et puis voilà, les supporters également nous ont grandement aidés pour finir cette montée. On vous a vu mano à mano avec la JC231, clé corde, et après c'était la dernière bosse, c'était la bosse la plus fatale pour vous. Ouais, bah voilà, c'était mano à mano, oui, on a couru, on a essayé de faire la course
pour être devant, tout simplement. Hein. Après, on regarde pas qui c'est qui est devant. Il y avait pas que la JC. Hein. Il y avait plein d'autres clubs, plein d'autres individualités qui étaient dangereuses. Après, je pars avec Jonathan Etchila. Hein. Faut quand même le signaler. Jonathan qui a fait un super boulot, qui a été présent du début à la fin, tout comme moi. Et José Audebourg également qui a fait une super course. Voilà, ça s'est bien passé. Marc Fabien, 100% Sport vous remercie, vous souhaite bon vent pour 2024. Merci à vous. Alexandre, à quel moment vous avez vu que derrière vous il y avait le Madina Bikers? À quel moment vous avez attaqué pour décomponner le Madina Bikers? Bah là, sur une montée comme ça, on savait que j'avais repéré ça à l'entraînement déjà deux ou trois fois. J'avais vu que le pied là, il était très dur. Hein. Il y avait 2 km où il fallait faire la différence ici parce que le sommet, bon, il était encore difficile hein, parce que l'effort du pied de la côte, les toxines s'accumulent et après c'est dur aussi de pouvoir réembrayer. Et je savais qu'il fallait tout de suite dans les parties raides faire la différence. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis un rythme très fort pendant 3-4 minutes. Pour faire sauter le verrou des coureurs et après un peu plus j'ai lissé on va dire mon effort, hein. Je suis monté au seuil quand même à fond. Hein. Une dernière pause qui a été fatale pour Marc Fabien qui vous suivait. Ouais, bah j'ai vu qu'il y avait un coureur du Madina, il a attaqué la côte quand même avec je dirais Marc Fabien. Ouais, Marc Fabien et 30-40 secondes au moins je pense. Alors, hein. Patricia, un bilan de ce Grand Prix de la ville de Saint-Cluz. Oui, alors sur cette course de 112 km ça a été une course très difficile dans la mesure où il y avait un circuit 8 tours sur les différents giratoires pour passer vers Rama et puis ensuite à escalader à la fin du 9e tour à escalader l'Épinay. Donc on connaît l'Épinay, on sait que c'est une côte qui est très dure. Le fameux l'Alemango. Voilà, l'Alemango où justement certains ont perdu des plumes. Donc forcément la course devenait compliquée pour quelques coureurs. Mais bon, on a vu quand même une belle animation du Madina Bikers sur l'ensemble des tours et de la JC 231. Ils ont fait un travail formidable et puis pour pouvoir placer justement leur champion, en tout cas leur coureur, pour faire le finish. Président, quel bilan tirez-vous de l'année 2023 et quels sont les projets pour 2024? Alors, 2023, quand on fait le bilan du cyclisme martiniquais, je ne peux pas dire que le cyclisme martiniquais a été à l'arrêt. Nous avons bien débuté après ce moment difficile que nous avons vécu, le moment Covid. Nous avons beaucoup travaillé pour relancer la discipline. Discipline relancée et pour preuve, pas mal de belles compétitions, hein, telles que le Critérium du Quartier, telles que le 22 mai. Enfin, les grandes courses à étapes de la saison, sans pour cela, oublier le Trophée de la Caraïbe, sans pour cela oublier le développement durable, pas mal de compétitions se sont tenues sur notre département, sur la Martinique, avec d'excellents résultats du côté de nos Martiniquais. Mais je ne vais surtout pas oublier le show de nos Martiniquais sur le Tour cycliste 2023, avec une victoire à la dernière étape. Vous savez, pendant tout le tour, il y a eu des victoires du Martiniquais, mais je pense que la dernière étape, le show qu'a fait nos Martiniquais pour accompagner et aider, s'il le faut, le jeune Eddy Cadémart du Madina Bikers, a été quelque chose qui reste inoubliable. Après ça, cette victoire a été une belle victoire, une très belle victoire. Je félicite parce que dans cette structure et avec d'autres Martiniquais, il y a eu un travail de fait, il y a eu un moment d'attente. À quel moment? Le moment, c'était la dernière étape et ils ont bien fait le boulot pour permettre à la Martinique de briller. Alors, si vous parlez de la Martinique, président de briller, on a vu que ce tour, justement, dont vous parliez, tout s'est passé au Monde Pitot. On aurait dit que toute la Martinique s'était donné rendez-vous au Monde Pitot. Oui, parce que
je suis très content. Mon organisation est super contente de pouvoir mettre en place avec la ville du Lamantin cette étape. Hein. Vous savez, d'un trait, on n'a pas trouvé nos marques hein, quand on a mis en place avec le maire Monsieur Samo tout au début, quand on a mis en place cette étape. Au fur et à mesure, on a trouvé nos marques et là maintenant, Montpito est devenu un moment dans le tour de Martinique important pour le Martiniquais et surtout pour le spectacle. Alors bravo au Madina Baker, bravo aux Martiniquais qui nous ont bien représentés sur le tour cycliste de Martinique. Et puis, Président, avant de vous interrompre, est-ce que la ville du Lamantin sera toujours la dernière étape phare du tour cycliste de Martinique? Non, je ne peux pas dire que la ville du Lamantin reste pas la dernière étape phare du tour. Je ne peux pas promettre ça. Ça fait un moment que nous y sommes et nous avons pu créer un beau spectacle lors de cette étape, mais vous savez, il faut tout augmente dans le peloton, la grille des prix augmente, le voyage augmente, l'hôtel augmente, tout augmente, et il faut absolument que du côté des communes, les communes puissent nous comprendre pour augmenter notre dotation, parce que nous faisons un tour, nous rendons joyeux, tous les Martiniquais, les villes sont très contentes, tout le monde est content, et après, quand on passe vérifier la caisse, nous sommes quelque part perdants. Donc, il faut absolument que les produits du tour, il faut que les partenaires puissent nous comprendre, le produit du tour doit augmenter pour que nous puissions, en quelque part, avoir un peu d'argent en caisse pour mener une politique sportive. Ça c'est important. Et puis, après, nous avons eu le tour de la Guadeloupe, plus ou moins, où nous sommes une fois de plus passés à côté. Le tour de Guyane, bravo, le tour de Guyane. La sélection de Martinique s'est très bien comportée. Le jeune Nubul, qui termine, je crois, second à 15 secondes, ça a été très bien. Et puis, après, il y a eu le trophée de la Caraïbe, où là aussi, nous sommes passés à côté. Du côté des féminines, très bon résultat sur le tour de Guadeloupe. Nous avons aussi organisé un tour de Martinique des U15 qui a bien marché. Du côté des féminines, sur cette compétition, ils se sont bien comportés. Et puis, le tour de Guadeloupe, où nous avons une fille, la fille Reine, qui a été maillot jaune pendant plusieurs jours. Et l'ensemble de la sélection s'est très bien comporté. Donc, je peux dire que le cyclisme martiniquais n'a pas été à l'arrêt. Nous avons passé une bonne année 2023. Projet pour 2024? En 2024, ça y est, nous avons commencé. Nous avons, je dirais pas beaucoup galéré, nous avons beaucoup bossé pour mettre en place l'ouverture de la saison avec réussite. Hein. Vous y étiez, vous avez vu comment ça s'est passé. Un bon départ pour 2024 et tout ce que je souhaite, hein, je viens de le dire dans les vœux, je souhaite que le peloton puisse avoir une bonne santé, que le Martiniquais puisse continuer à faire vibrer le public martiniquais, surtout, hein, je suis content que le public martiniquais, j'ai pour habitude de dire, enfin, s'est réconcilié avec la discipline cyclisme, vous faites un travail énorme, superbe, dans le cadre non seulement de la promotion, mais aussi de la médiatisation, et New Sport KMT fait tout ce qu'il peut. Chaque week-end, vous êtes présent pour permettre aux Martiniquais, sur votre antenne, le lundi soir et pendant toute la semaine, de découvrir les opérations sport du week-end. Et je vous dis bravo et puis je souhaite que vous puissiez continuer. Alors,
Salut Monsieur Larouchier, qu'on puisse continuer à faire notre sport, faire notre jeunesse développer pour la discipline qu'ils ont choisie, qui est le cyclisme. Vous disiez il n'y a pas très longtemps qu'il faut que cette émission perdure. Il faut que cette émission perdure, puisque effectivement, hein, un moment, vous étiez le seul à nous sauver face à des informations, des images sur le sport. D'autres télévisions ont de nouveau emboîté le pas, mais je pense que KMT, vous faites avec nous sport un superbe travail. Je vous vois avec votre moto sur la course, vous êtes seul, votre caméra, vous faites un superbe travail. Je dis bravo et puis il faut continuer parce que ça nous aide. Je demande aux partenaires d'aider nous sport pour que vous puissiez perdurer et faire notre sport briller. Franchir cette ligne droite dans le cadre des Jeux Olympiques. 100% sport, KMT Télévision, DD News, vous remercie, Président. Martinique, dans le cadre du championnat de deuxième division dames, le tennis club municipal du Robert recevait le tennis club du Lorrain sous les cours flambant neufs du tennis club de Saint-Joseph. C'est le tennis club du Lorrain qui s'incline au final 3-2 face au tennis club municipal du Robert. Bien que le double n'a pas été une partie de plaisir, pour le tennis club municipal du Robert avec Cynthia Laurier qui a remis les pendules à l'heure. Avec quelques résultats, dans le tableau simple dames, Cynthia Laurier bat Anne-Cécile Turbet 7-5, 6-1, 6-0. Micheline Agrifer n'a laissé que 3 jeux à Ludivine Vitulin 6-3, 6-1. Pour sa part, Chantal Ravier n'a rien vu venir face à Cynthia Laurier 6-0, 6-0. Même son de cloche pour Christelle Louis-Franck qui s'incline 6-1, 6-0 face à Geneviève Villedeuil. Dans le double, c'est le tennis club du Lorrain qui tire son épingle du jeu 6-3, 6-1 face au tennis club municipal du Robert qui avait fait le déplacement en masse. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Martinique, c'est dans la commune du Marin, à l'école mixte 1 Pierre Duquesne, que 74 élèves ont participé à un stage intitulé « Savoir rouler à vélo » en suivant trois blocs d'apprentissage mis en place par le Madina Bikers, sous la houlette de la directrice de la DRAGES et de l'association Sport Police Nationale. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Yannis Sidoli, comment ça s'est passé l'atelier que vous avez mis en place par le Madina Bikers pour ces élèves? Ben, ça s'est bien passé. On a passé 9 belles séances plateau et une très belle séance sur route avec les enfants. Les enfants étaient contents. On a fait de notre mieux, on a fait notre maximum pour que chacun des enfants ait un diplôme pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Il y a eu la sanction aussi, ceux qui ne savaient pas conduire, ceux qui ne savaient pas pratiquer. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu éliminer certains enfants? C'est vrai qu'en tant qu'éducateur, on a une certaine éducation à donner aux enfants pour la route. Et du coup, en fonction des différentes évaluations qu'il y a eu, on a pu établir le profil de ceux qui auraient été plus aptes à circuler sur la route seuls. En tout cas, c'est vrai qu'en tant que cycliste, je connais les risques de la circulation sur la route. Donc, c'était vraiment important que les jeunes puissent connaître leur code de la route afin de pouvoir circuler. Madame Dimandi, parlez-moi un petit peu de la mise en place de cet atelier.
Donc, le savoir rouler dans les écoles du Marin est un projet avec de multiples partenaires. Donc, la RCVTPN 972 du Marin, qui est une association du MAGES, et le partenaire, le Madinina Biker, qui a dispensé la formation. Donc, il était important pour nous, club cycliste, que les élèves scolaires, les élèves du Marin, puissent avoir cette formation pour pouvoir circuler, apprendre à circuler en toute sécurité dans les rues de la ville. Et ça contribue, cette formation contribue aussi à se faire connaître au niveau des élèves de la ville. Pour rouler à vélo, c'est un dispositif qui existe déjà. Il n'est pas nouveau en Martinique, mais par contre, il est nouveau au Marais. Il fallait signer une convention avec l'inspection académique, donc nous avons une convention pour 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? On peut nous souhaiter beaucoup de licenciés. Alors effectivement, ma fille qui est scolarisée au Pérou a participé à ce magnifique projet. Alors je dirais que ça a été une continuité, puisqu'en fait, pour moi, apprendre à faire du vélo, c'est quelque chose qui s'apprend dans le contexte familial, à la maison, avec les frères et sœurs, les cousins, les cousines, papa, maman. C'est pas si simple que ça pour faire du vélo. C'est pas si simple que ça, parce que je vous avouerai que ma fille avait très peur. D'ailleurs, elle roulait... avant de commencer ce projet avec les 2 petites roues derrière, parce qu'effectivement elle a un vélo à la maison, et à l'initiative de ce projet, elle est rentrée un jour à la maison et m'a dit « Maman, on enlève les 2 petites roues derrière ». Voilà, donc ça lui a permis d'avoir confiance en elle, de prendre de l'assurance, parce qu'effectivement c'est une formation qui a été faite par des professionnels, donc toute une équipe, voilà, qui a été mise en place pour cela, avec une pédagogie que nous, dans la famille, dans le contexte familial, on n'a peut-être pas. Donc, ça a été vraiment un complément et je suis satisfaite. Nous avons mis en place ce projet de savoir rouler en vélo parce qu'il correspond justement à des attendus à l'entrée au collège. Et nous, au niveau du Marin, nous sommes témoins de jeu. L'école mixte A est labellisée Génération 2024. Donc, il était important pour nous de mettre ce projet en place pour les élèves de CM2, non seulement de l'école mixte A, mais des autres écoles de la ville. Donc, on ne pouvait pas mettre ce projet, justement, sans une convention qui avait été signée entre la RCVPTN 972 du Marin et le rectorat. Et puis, le dernier enjeu, c'est un enjeu écologique. Donc, il faut inciter les enfants à utiliser le plus souvent possible le vélo, qui est justement un moyen de transport propre. Mon objectif au niveau de l'école, c'est que les enfants réussissent, mais grâce à un apprentissage global au niveau de toutes les sphères, voilà, pour qu'ils soient heureux, épanouis, et puis qu'ils puissent avancer dans leur cursus scolaire. Moi, quelle est la participation de la ville du Marin pour se savoir rouler à vélo? Alors, la ville du Marin s'inscrit dans une dynamique d'accompagner les établissements scolaires pour ce dispositif, savoir rouler à vélo, qui s'inscrit totalement dans la politique sportive de notre programme politique, qui est de mettre à disposition des équipes pédagogiques et à disposition en particulier des enfants tous les outils possibles pour leur permettre de grandir et de devenir des citoyens responsables et avertis. Donc, c'est tout à fait logiquement que nous avons répondu favorablement à cet appel à projet par le biais de la RCVTPN du Marin et dispositif soutenu et proposé par la DRAGES. On peut dire que l'école de la sagesse à vélo sur la route, la voie publique commence ici à l'école. Absolument, il n'est jamais trop tôt pour accompagner et surtout éveiller les consciences de ces jeunes citoyens à l'utilisation de la route et puis d'une manière générale au bon comportement, au respect des règles, parce qu'en fait, s'ils le sont déjà aujourd'hui, demain, ils deviendront également des citoyens responsables. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport. Jean-Michel Césaire a réalisé cette émission. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un coucou à Alain Petit et Charlie Prod de Saint-Joseph. À notre consultant, M. Jean Dorsan. À Madame et Monsieur Christian Kervoulon à Dakar, au Sénégal. Madame Doris Germani, à Amiens de la Somme. Monsieur et Madame Jacques, Pierre et Mimi, en Floride aux États-Unis. Tully et Roger Valéjo, dans le Dumont, dans la Sarthe 72. Monsieur et Madame Léo Martine Schelcher, à Léandre Labranche,
le Val-de-Marne 94, Annélie Tulé et Charles de Rigaud-Pilote, Monsieur et Madame Julie Rigaud à Mayotte, nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger L'Aquitaine, Monsieur Benoît Boulot, président du STT, Monsieur et Madame Alain Rendi, mais d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez, le www.kmdtelevision.fr sur la page YouTube des News Martinique, la rediffusion de cette émission aura lieu à 23h08. Le dernier passage aura lieu le mardi matin à 9h. Merci pour les salutations. On reçoit avec des dés pour la suite de l'émission 100% sport. Voilà, c'est la fin de cette émission. Sportez-vous bien et bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Oui. Ah non! Ah, ça arrive, oh! Mais pas qu'à c'était tout. Allez, CAI CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas, t'es save. CAD, m'en dit où? C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h-12h. Le mail caribéenne.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imiter mais jamais égaler. Parts Moto Service PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Moto Service PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Moto Service PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de m'en dire. C'est au 15 rue Pierre Lyodet, cité artisanal de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Moto Service. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger, c'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention qu'on arrêtez-vous à Vito Bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté, dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe, partenaire officiel de 100% sport.